Suwan, Brastar. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur nouvel épisode de Far Cry Primal. Et donc nous allons tenter de tame ce tir. Ça a marché. Reste avec moi l'ami. Tu es une belle bête, tu es magnifique. Tu es magnifique, lion des cavernes apprivoisées. Donc le noir était une... Wow! Attaque! Hop, allons-y. Attaque! Et attaque, bon Dieu! Attaque, bon Dieu! Bourre-le! Parfait, on l'a eu. Génial. Absolument génial. Non, c'était celle inverse. Faut que je pense à... Hop. Génial. Je crois que je vais l'aimer, ce tir. Viens par là, mon pote. Viens par là. Tiens. Par contre, t'as littéralement le feu aux fesses. Roule-toi dans la... Ouais, voilà, c'est bien. Hop. Bonjour. La brume tombe, chers amis, c'est... Oh, on peut le caresser. Oh, putain, regardez-moi ça, chers amis. Le gros chat. Alors, j'avais vu un gros chat noir aussi dans le coin. C'est lui que je voulais attraper à la base. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? D'accord, on va normalement se diriger par là, mais il y a un camp. Donc, on va commencer par le camp. Alors moi c'était le gros chat noir que j'aurais aimé avoir. C'est un aigle ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Des loups! Putain, manquait plus que ça! Hop! Non! Des loups! J'ai plus de graisse? Ah si, c'est bon! Fuyez! Vous veut pas de mal. Fuyez. Des tatous. C'est typiquement dans ce genre d'endroit qu'on va tomber sur un tigre en pleine nuit, chers amis. Dernière sagaie, merde. J'ai pété ma sagaie. Hop. Avant-poste. Les avant-postes sont des camps hostiles sous le contrôle des tribus ennemies. Capturez-les tous pour réduire les dangers qui menacent les Winja et les Honoros. Les avant-postes capturés deviennent des points de déplacement rapide dans le menu carte. Ils donnent accès à des caches de récompense, à votre cache de récompense et plus de villageois rejoindront votre tribu. Après la capture d'un avant-poste, les ressources ennemies sont envoyées à votre cache de récompense. Utilisez-les pour améliorer les huttes de votre village. Oh. J'espère que c'est le nôtre. On y va. En plus, on est en pleine nuit, ça va être épique. Hop. Ça peut être sympa, je vais avoir un véritable ascendant sur l'ennemi. Mais bon, on verra bien. Advienne que pourra.
J'aurais peut-être dû lui donner la possibilité de larguer des bombes. J'aurais peut-être pu être Patrick. Non, être pratique, chers amis, bien sûr. Hop, l'archer. Fais gaffe à ton pote. À ton pote, pardon. Par contre, ça aurait été cool que tu bugs pas dans le... Bute-le. Reste avec moi. Alors, on y va, en douceur. En douceur. Il y a des bestioles là-bas. Bon, normalement il aurait pas dû se lever comme ça, mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a encore des bombes sur nous? Je n'ai peut-être pas confectionné. Si, j'en ai une. La voilà. Pas un ennemi, en tout cas c'est un ennemi mort. Si je peux lâcher la bombe dans la maison, ça peut être marrant. Les deux sont morts. Hop. Parfait, bute-le. Parfait. On a eu le camp sans se faire repérer, chers amis. On a été recherché mais pas repéré. Alors est-ce que ça compte comme dans les anciens Far Cry ou pas? Enfin comme dans les autres Far Cry ou pas? Non, c'est bon. Discrétion plus... Ah oui, d'accord. Ouais, ça compte. Ça compte. Ok, pourquoi pas. Il y a des ennemis sur la gauche. Ah, c'est un tigre, un loup. J'en ai pas de loup, on est d'accord. J'ai un loup gris, mais... Est-ce que si... Attendez, on va aller voir le menu des bêtes. Hop. J'ai un loup blanc. Loup tigré et loup normal, j'en ai pas. Non, calme-toi. Calme-toi. Oh le loup. Oh, je le sens pas ce truc là. Oh, je le sens tellement pas. Ça y est. Et non, il en veut pas. Il en veut pas. Peut-être que je me suis approché en sprintant, ça lui a pas plu aussi. Allons-y en douceur. Yo l'ami. Non, je suis gentil, arrête. Loup apprivoisé, c'est un loup classique. Ok, hop. On va rappeler le tigre parce que le tigre est stylé. Joli endroit, une belle plaine. Ok.
Ok, donc on va voir qu'on a quand même... Qu'est-ce que... Pourquoi il y a des gens à poil, littéralement? C'est flippant, ça. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que je les vois les dessaper pour manger leur... chair. Alors, je suis curieux de voir, chers amis. Ça a l'air d'avoir plutôt bien marché, cette histoire. C'est l'histoire de la bombe là, vous savez. Ah, vas-y, soigne-toi. Oh la vache, t'as une belle cicatrice sur le nez, toi. T'avais pas ça avant? Attends. Ah non, t'avais pas ça avant. Est-ce que plus elles vit, plus elles sont longues, plus elles vieillissent au combat, plus elles ont ce genre de choses? Non, c'est pas déplacer le corps, c'était fouiller que je voulais. Merci, hop. J'avais cherché aussi les pas d'instant, mais enfin bon, c'est très bizarre. Alors. Y a pas la fameuse cache? Où est-ce que je suis? Ici. Apparemment, y a pas la fameuse cache. Bon, bah écoutez, quelques ressources. Ok. Ah, la fameuse cachée là, d'accord. Ok. Dans la grotte du chef, oui, ça fait sens. Bon. Oh, pierre du sud, génial. Qu'est-ce qu'ils avaient? Oh, ils en avaient du bordel. C'est quoi ça? Graisse animale, d'accord. Silex, je prends. Peau de bête, os, hop. Peau en argile. Je prends les couteaux que j'ai perdus. La bouffe, c'est bon. Ça, je peux récupérer. C'est quoi ça? Feuille jaune du nord, rare. D'accord. Ok. On peut en avoir 50 sur nous dans le sac, c'est intéressant. C'est bon à savoir même. C'est quoi ce bordel? D'accord, vous suivez la piste olfactive de l'animal avec votre vision de chasseur en maintenant V. D'accord, ok. Donc c'est bien ça en fait. C'est ce qu'on avait dit dans le précédent épisode, dans celui d'avant, je ne sais plus. Dans celui d'avant. Les bestioles rares ont une odeur. Bon à savoir, c'est extrêmement bon à savoir, chers amis. Bon! Alors nous en sommes arrivés là. On a quelque chose, compétence, confection. Tiens, confection, tout confectionner quelque chose. Oui, on a notre quatre peaux d'ours brun. Exact, exact, exact. Compétence. On a 4 points. 4 points, 4 points, ça pourrait être pratique pour faire quelque chose. Tigre à dents de sabre et ours brun. Ça peut être pratique. Hein. Et là, on aurait quoi? Ours des cavernes et blaireau. D'accord, apprivoisé avec un appât. Bon, bah écoutez, on va dépenser 2 points ici. Après tout. C'est sympa de pouvoir faire du tame de bête et avoir un ours depuis le temps qu'on en bute. Enfin, depuis le temps qu'on se fait buter par les ours et pas l'inverse. Quoi qu'on en a buté quand même suffisamment, là. Récemment. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on a quelque chose. Lieu inconnu. On a des cerfs. On a un feu de camp. Soit je continue, soit je retourne chasser un petit peu le fameux tigre noir. Chasse difficile, peau de lion des cavernes, particularité apprivoisable, compétence de maître des bêtes nécessaire, effectivement. Ou alors je me dirige là, puis après je me dirige sur notre ami. Bah c'est ce qu'on va faire. Par contre, faut que je retrouve la route telle qu'elle est censée être. D'accord, donc c'est la première intersection à gauche. Parce que oui, il y a des routes, hein, elles sont pas en bitume, mais... Hop. Et le GPS est pas top, mais bon. Sur le principe, ça va. J'espère quand même franchement tomber sur un tigre noir sur la route. Une pauvre chèvre. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai plus d'appât. Hop. Yo! Yeah! Bon, j'ai bourré les appâts. Mais il est beau. Lion noir, rare, apprivoisé. Alors, juste pour voir, on n'a pas vu ce qu'ils avaient fait. Marque les ennemis présents à proximité, résistant au feu. Oh, d'accord.
Non, juste pour voir, il nous parle du blaireau apprivoisable. D'accord, on peut pas savoir ce que ça fait, ok. Alors, ours brun, découvre les ressources proches et vous les donne quand vous êtes inactif. Cette bête est chevauchable, ouh. Ça peut être intéressant ça. Parce que je me doute bien que c'est pas la dole qui va être chevauchable. Loup rouge neige. La gueule. D'accord, c'est des trucs qui sont en mission apparemment. Les fameuses missions de la chasseresse sans doute. Dans le sable, croc de sang. D'accord, c'est les bêtes légendaires entre guillemets. Le prédateur le plus rapide d'Oro. Cette bête est chevauchable, nécessite de compétences chevaucheur de bête. D'accord, donc il y a une compétence. Ok. Ok, ok. Juste vite fait. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3. D'accord, ok. Elle est plus puissante. Ok. Bon, bah, zut, je me trompe de bouton chaque fois. Je suis désolé, chers amis. Ok, bon, bah, écoute. Coucou, toi. Bonjour. Il y a un souci? Je sais pas pourquoi il vient là, lui. Littéralement, il me fout les boules. Bon, bah, j'ai eu la bestiole que je voulais. Je suis content. Bon, par contre, j'ai mis le paquet sur les appâts. Hein. Il va me falloir de la viande prochainement. Et du bois. Et du bois. Et du bois. Bois, bois. Et du bois. Putain, je suis en train de me demander. Oh là. Et t'as pas peur, toi, là-bas? Meurs! Cours-lui dessus! Enfin, saute-lui dessus et cours-lui derrière. Oui, joli! Joli, belle bête. Joli, joli. Oui! Oui, c'est bon, il l'a vu. What? Et attendez, les dolls normales! Oh merde, je les ai ratés. Dommage. J'aurais aimé les avoir, il me la manque. La dolle normale. Je ne l'ai pas. Peau de lion des cavernes. Viande x 6! Vous allez arrêter de m'ignorer. Ouh. On va suivre l'action de haut. Non. Ça s'est plutôt bien fait. Oh, par contre, t'as pris cher, toi. Attends, attends, Simon, viens. Voilà. Tiens, mange. T'as pris des dégâts, tu manges. C'est la dole. T'es pas intéressé? C'est con parce que moi j'étais intéressé. Oh. Ok, je l'apprivoise. Ah, elle l'a bouffé et s'est barrée. Boum. Merci. Mange-le. Mange. C'est bien. Bonne fifi. T'inquiète. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le fameux camp ennemi? Par contre, les chats, ils aiment pas l'eau. Et qui plus est, je me doute que, voilà, il y a des gens qui m'attendent dans l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ma chouette. Faire un petit tour de repérage. Une tortue. J'imagine que... Ah non, c'est des alliés. C'est des alliés dans le coin. Intéressant. Je suis curieux d'aller voir ça, moi. Il nous faudra un ours aussi, ça peut être sympa pour la récupération de ressources. Le repos du pêcheur, lieu découvert, génial. Est-ce que t'as une canne à pêche dans le coin ou pas, l'ami?
Apparemment non. C'est bon, je veux pas de mal. Mais non. Putain, mais vous avez vu les dégâts qu'elle me fait? Saloperie. Oh, je suis désolé, par contre elle résiste pas autant sur un... Elle fait un bruit de foule qui plus est. Où est-ce que t'es? T'es là, tu roules. Hé, hey, blaireau qui moule, qui roule, pardon, d'un masse-pamousse. J'en chie aujourd'hui. C'est d'une violence, peau de blaireau. Bonne chasse. Ok, donc on est juste à côté du bonhomme. Ah merde, je me trompe de... Putain, j'en chie. C'est d'une violence. On est juste à côté du bonhomme. On va aller le voir. La main d'Aïcha en plus juste à côté. Ah! Ça, c'est l'ordre de bébête que je voudrais avoir aussi. Il se déplace vite. Ah mais non! Ok, c'est bon là. Regardez ça. Regardez-moi le gros chat. Jaguar a pris... Bouf. Oula. Eh, vous évitez de me afficher plein de trucs comme ça sur la gueule, ça me plaît pas moi. Il y avait un autre. Il y a un autre jaguar, hein, je veux dire. Tiens. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Décide non d'alerter sans alarmer les ennemis. Waouh! C'est la bestiole de discrétion par excellence. Cool. Enfin, par excellence presque. Il aurait fallu la version rare. On aura certainement un moment ou un autre. Peut-être un petit peu dommage qu'il faille bourrer les... Il n'a pas fait de plus d'effet que ça. Je me trompe de touche. On va se rendre là. Alors, c'est quand même très joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hop. Bois d'aulne, bois dur. C'est des singes? Attendez. Il y a des singes là-dedans ou pas? Je veux manger du singe, moi. Hop. Je veux manger du singe. Hop, effectivement, c'est du singe. C'est incroyable la faune qu'il y a dans ce jeu. Il y a un petit peu de bois, un bois d'aulne. C'est pas le bois qu'il nous faut, on est d'accord. Quel bois il nous faut, nous? Alors oui, pour améliorer mon arc, il me faut deux pierres. Enfin, de la pierre et de la poudre de pierre. Érable du sud, exact. Exact, exact. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une grotte? Il y a une grotte, effectivement. Abri des perdus. Oh. Oh. D'accord. Ok, je prends. Non, c'est pas une grotte en fait. C'est un relief. Ok. Enflammé, d'accord. Ok, non, pas besoin d'enflammer quelque chose. Bonjour. Fait mal. Ah, il me pisse dessus le sac.
Je suis pas un Oudam. Oh putain, mais on la voit encore. Pisseux. Mais je me sens insulté. Piégé. Tu parles, je suis à peine piégé. Oh. Bon bah je suis piégé. C'est à moi, c'est ma bestiole. Ok. Bon bah on va récupérer des ressources alors. Hop. Laissons ça brûler un petit peu. Et pas peur. Hop, chercher graisse animale. Donc on avait vraiment de quoi. Là il y avait quelque chose aussi. Non, c'est du bois tout simple. Oh, et c'est bon. Soit je tombe dans l'eau et je ne meurs pas. Hop. Apparemment, il n'y a pas de bestioles dans l'eau. Bon à savoir. Par contre, je suis pas le premier qui l'ait tué de cette manière. C'est une bête sauvage qui les a tués. C'est clairement une bête sauvage qui les a tués. Sinon, il n'y aurait pas autant de sang partout. C'est pas la nôtre. Et non. Voilà, brûle. Dépecé jaguar. On en a pas encore dépecé. Première peau de jaguar, chers amis. Non mais je ne peux pas sortir par là. Tu t'en doutes. Donc derrière la porte numéro 2, il y avait un jaguar. Derrière la porte numéro 1, il y avait... cadavre. Un vieux cadavre. Je pense, même si j'aurais voulu récupérer de la viande là-dessus, je l'aurais pas fait, je pense. Qu'est-ce que... Oh! La griffe grappin. Vous avez trouvé un outil étrange, mais visiblement utile. Cherchez les icônes de grappin pour grimper et vous balancer, pour atteindre des hauteurs auparavant inaccessibles. Approchez-vous jusqu'à ce que le message d'utilisation de la griffe grappin apparaisse, puis maintenez E pour vous accrocher. Vous pouvez passer d'un point d'accrochage à l'autre sans toucher le sol. D'accord? Je suis preneur. Et donc du coup ça m'a débloqué des trucs là-dedans? Non, moi pas encore. Ok. Hop les. Montez. Ok, ça marche plutôt bien. Échappez-vous de la grotte. Il y a une cache avec de la graisse animale. Et il y a encore du sang. Et qui dit sang ? Bête. Et qui dit bête dit Marcus pour les tuer. Et dit poil aussi, forcément. Ok, j'ai pu prendre les ressources. Là il y a un point de grappin. Vaut mieux que je me mette dans la bonne direction. Ok, je me sens très très con. D'accord, je peux me balancer encore. Ok. D'accord. Les touches sont très particulières. Hein. Soyons honnêtes, c'est très 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 étrange. Hop. Ok. Sur le principe. Il y en a deux. Et je n'ai aucun endroit
me poster pour être en sécurité. Ça va être compliqué. Pour remonter. Ça va mal se finir cette histoire. Je ne peux pas remonter. Je ne peux pas remonter. Je peux pas lâcher de grenade non plus. Il va me falloir autre chose que ça. Est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît? Merci. Ou alors c'est la fuite. Ok. Donc en fait la solution c'était la fuite. Solution que j'exècre particulièrement. Si t'étais pas à chat et toi aussi bestiole à la con. Donc ils peuvent bel et bien monter. C'est là qu'est tout le pépin. Et si je tentais autre chose? Hop, c'était pas ce qui était prévu, mais pourquoi pas. Eux, ils m'attendent au détour. Ouais, c'est autre chose. Ah, brûle. 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 Hop. Brûle. Voilà comment on gère les animaux sauvages, chers amis. Hop. C'est pas trop mal passé. Oh, dis donc. Ouais. Ça aurait pu se passer... beaucoup plus sauvagement, si on peut dire ça comme ça. Hop, dépecer Jaguar, ce qui va nous faire encore plus de viande, mais on en a peut-être un petit peu de trop maintenant. Hop, c'est pas grave, on avait plus place dans le sac pour ces objets. Une violence. T'as pas une sagaie? Dommage. Hop, on passe par là. Hop. C'est extrêmement contemplatif comme, comme let's play. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Fallait que je passe là-bas quoi qu'il arrive. Aïe. D'accord, oui, j'ai avancé sans appuyer sur grimper. Ok, donc il va y avoir une mécanique à prendre là-dedans aussi. En fait, j'étais au bon endroit, c'est ça? Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Ok. Cage de chasseur, examiner la peinture rupestre pour trouver une ressource rare dans les environs. Peinture rupestre. Piégé, terminé, d'accord, ok. Donc ce qui m'a donné accès en fait à une espèce de d'autre... D'accord, oui, effectivement, comme il y a une peinture rupestre juste à côté, d'accord. Ok, je comprends. Je comprends le principe. Parfait. Et j'ai entendu un ours. Ce qui est une excellente nouvelle. J'aurais juré avoir entendu l'ours. Bon, c'est pas grave. Hop, griffe, grappin. Parti. Peinture rupestre est juste au-dessus, j'imagine. Génial. Alors,
Qu'est-ce que je suis censé examiner? Qu'est-ce que je suis censé y voir? Montagne, arbre. What the... What the fuck? Enflammer sa gueule, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec cette main? T'es pas sérieux, faut pas que je me... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on verra bien la prochaine fois. Donc, apparemment, il y a des gens par là. Effectivement, il y a un oudam là-bas. Deux oudam. Trois. Non, il y a des dolls aussi avec. Hop là, bonjour. Il va se faire bouffer. Voilà, il s'est fait bouffer. Fuyez. Hop, voilà, pas besoin de se salir les mains, chers amis, voyez. Tout se passe à merveille. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais envie de faire. J'aimerais lancer un... Bon, tant pis, c'est pas grave. Oh mince! Je voulais récupérer le doll! Bonjour, deux bras. Ah putain, oui, il lui manque un bras! Je suis pas un oudam! Il a un bel outil. Quoi, je pue? Je le sens pas. D'accord. Oui, des outils. Ok, c'est très bizarre. Donc c'est un minerai, 100 euros, c'est un minerai. D'accord, intéressant. Mais il garde celle-là. Il est bizarre, je l'aime pas, mais il me plaît. Je le sens pas en fait, c'est ça le truc. Je sens que c'est le genre de mec qui pourrait à un moment ou à un autre te mettre un couteau dans le dos, littéralement. Et bizarrement, c'est lui qui se balade avec le couteau le plus aiguisé de Touros. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, vous quittez la zone de mission. What? Ah, c'est une mission! Et c'est Achai? De l'autre côté du rivage. Il y a un gros poisson dans l'eau. Vous avez vu? Mais alors, véritablement, un gros poisson. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, il y a un sac. Il y a des ressources, non? Merde. Ah voilà, un sac de ressources, graisse animale x2. Mais il y a un gros poisson, je rêve pas. C'est un véritable gros poisson. C'est des yaks de l'autre côté. Et il y a un ours. Attends, c'est des yaks ou des ours? Là-bas c'est un yak. Je crois que c'est un yak là-bas aussi. Poisson. Poisson.
Eh, de quoi bouffer sur ce poisson là, je suis désolé hein. C'est un saumon. Non, c'est pas un saumon, vu la dentition qui se tape, c'est pas un saumon. Franchement, vu la dentition qui se tape, c'est pas un saumon. Non, clairement pas. Poisson croc. Ouais, ceci explique cela. Peau de poisson croc. Croc, je sais pas. Des yaks, on a clairement pas le niveau à mon avis pour des yaks. C'est solide. Nouveau point de réapparition, c'est pas là qu'il fallait que j'aille, on est d'accord. Si. Chercher les pierres de sang Horus. Merde. Je crois qu'ils m'ont vu. Oh, quel abruti. Hop. Merci. Voilà. Faut que je me soigne, mon pote. Pierre de sang Horus. Il y en a par là, apparemment. Elle brille au soleil. D'accord, il y a des superbes peintures, d'ailleurs. Elle brille au soleil et on est dans la région où il faut les chercher. Hop. Ok. Elle brille au soleil. Hop. Examinez les vieilles pierres debout, Wenja. C'est vraiment étrange. Enquêtez, d'accord, faut passer au milieu. Ah, c'est des sens. D'accord. Ça nous montre des points en fait. Putain, c'est des. Oh, oh d'accord. Genre par là, il y a des bisons. Par là, il y a des cochons. D'accord. Ah, c'est génial. J'adore. Et là, il y a un yak qui vient nous voir. Saute-lui dessus. Allez, bouffe. Oh merde. Je tapais dans la mauvaise bestiole. Encore. Elle me saoule à m'emmener à 3 km. Ouais, tant pis. Reviens. Peut-être nous falloir des pièges, hein. Peut-être nous falloir des pièges. Déplacer le cœur, ça m'intéresse pas. Bref, c'est ici. Qu'est-ce que... Vous avez vu comme moi? Il y en a un blanc. Des dégâts sur le long terme. Allez. Oh merde. Ah. Je perds des ressources. Bref. C'est vraiment dommage ce principe de mission où on n'est pas libre. Surtout qu'on a tout le temps qu'il faut pour aller les chercher. Mais bon, ce n'est pas grave. Et j'ai plus assez de bois pour... Non, je n'ai plus assez de bois. Il me reste suffisamment de viande, normalement. Oui. Je te soigne. Faut absolument trouver un ours assez rapidement, chers amis. Pour qu'on puisse avoir des ressources, qu'il puisse aller récupérer des ressources pour nous, en fait. Ce serait vraiment extrêmement utile.
encore des poissons dans l'eau hein. Je rêve ou le poisson a disparu? C'est pas rassurant. Ah non, il est là-bas. Ramasser l'ardoise. Hop. D'accord, il ne me sent pas arriver de loin, tant mieux. Là-bas, il y a un facochère. Tu n'es pas une menace, le facochère. Ok. Pierre de Sandoros. Il y a un camp ennemi. Il y a littéralement un camp ennemi. J'y suis normalement. Elle brille au soleil. Si je l'ai pas dans le fion. Ah, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que... Feuille mauve. C'est un facochère, je préfère avoir un ours. Si possible. Non, je le toucherai pas. Ok. Putain de cochon. Je vais pas vouloir venir me chercher me tuer. Un cochon, bordel. T'es un cochon, bordel. Merci. Ok. C'est lequel qui a failli me repérer? Deux. Ça monte là-bas. Oh, joli. Hop. Un autre. Bon, j'ai été repéré. J'ai été repéré. Oh. Bon, bah monte. Bouffe-le. Jouer. Pourquoi tu l'as pas bouffé? Quoi? Ah bah voilà. Bon, je peux pas récupérer les cadavres, je les vois pas. Tiens, mange. Non. Ok. Ça se passe plutôt bien. Ok, parfait. On va descendre, il en reste plus qu'un.
Ah bah de toute façon il est monté voir notre bestiole. Hop, c'est détaché. Je crois qu'on en a une. Parfait. 100 euros, c'est rare. De rose 2. On va pouvoir s'éclairer un petit peu. Et je n'en vois pas d'autres. Là j'ai cru en voir. Allez monte, il y a une liane. Oh qu'il est con. Hop. Dites-moi comment tu tiens ta liane, alors qu'elle brûle. Ok, c'est pas grave. Là, il y en a une autre. 3 sur 4. Les campements ennemis brûleront. Yo. Ok, je le trouve pas. On va aller chercher juste. Hop. La main. La fameuse main. Prise de récompense, plus 2. D'accord. Il en faut 2. Ah oui, d'accord. À 8, j'aurai une récompense. Ok, je comprends ça. Ok, il m'en manque une, Simone. Et le jour se lève. Parfait. Je vais pouvoir aller la chercher correctement. Si elle brille vraiment à la lumière du jour. Merci pour les ressources. J'ai l'impression de rater quelque chose en fait, de pas voir un endroit. Là non? Non? Étrange. Étrange, étrange. Et comme ça n'aura aucun intérêt pour la chouette, ça ne sert à rien de lui dire d'aller chercher, elle ne verra pas. Va chercher Pierre qui brille, ben on voit partout. Elle. Oh bête. C'est pas de sa faute, hein. Aha. Non. Ah, la voilà. Hop. Bon, en plus, on a des choses à récupérer dans le coin. Bah oui, on a tonnes de cadavres qu'on a buté ici. Hop, peau de bête, tout ça. Je viens par où ça passe. D'accord. Ouais, ça, non, j'ai voulu juste choper ce qu'il avait sur lui, hein, tu sais. Hop, ramasser Sandoros. Le fabricant. Koga, le fabricant. Voga le fabricant. 100 euros, terminé. Ok. Bon. Mais il est peut-être temps qu'on retourne, entre guillemets, à la civilisation. On va retourner à la maison. 30, pratiquement. Pratiquement 30 villageois dans notre camp. Oula, on a plus un point de compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les effets des recettes durent 90 secondes au lieu de 60. Ouais. Confection. Oh. Ceinture à gourdin, ça transporte 2 gourdins de chaque type. C'est 4 gourdins de chaque type, d'accord. 2 saguets, 3 saguets. Ah, utiliser la grille grappin pour escalader, d'accord. N'avez pas encore appris comment confectionner des couteaux de pierre. D'accord. Les tirs à la tête sont mortels, prérequis, 100 euros. Ouais, il demande beaucoup de choses, hein. Il demande beaucoup de choses. On va d'abord aller le voir à la maison. N'empêche qu'on a bien avancé, hein. Votre village, déplacement rapide, voilà. Hop. Et on ira voir ce que ça va donner. Les animaux rares laissent une trace olfactive, j'imagine. Que c'est ce qu'il nous disait. Bon, alors. Ok. Ok, on en prend un maximum, hein. On bourre, hein, littéralement. On en retrouve tous les jours, donc autant en profiter un maximum, pardon. Hop. Du bois d'aulne. Non, non, je suis la foule, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, cool. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer ici? Pot de blaireau, d'accord, il en a fallu un peu plus. Il nous faut plus de gens dans notre village. Pourquoi pas. Hop. Ici, plus de gens aussi. Plus de roseaux, plus de peau de mammouth. Alors la peau de mammouth, tu parles, on n'est pas prêt de l'avoir.
Et il y a notre ami qui est lui un peu plus bas. D'accord, je le voyais plutôt dans la grotte bizarrement. Ok. Yo. Bah oui, écoute. Oui, je me doute. Je m'en occupe pour toi, y'a pas de problème. Merde, d'être quelqu'un de sensé. C'est parti. Joli. Hop, oh, c'est marrant de voir le gamin en face, on a l'impression qu'il fait genre prof. Ça peut être cool. Alors, compétences de fabricant, nouveau sac et ceinture à confectionner dans le menu confection, piège à lancer, couteau berserk à lancer, d'accord. On parlait de piège justement tout à l'heure. Les ninjas vivent aux quatre coins des terres de Ross. Trouvez-les et secourez-les pour augmenter la population de votre village. Appuyez sur H, sélectionnez le menu village pour la population de votre village. À mesure que votre population augmentera, vous pourrez construire de nouvelles huttes et les améliorer pour débloquer de nouvelles compétences et armes et concocter des recettes. Nous sommes donc un total de 30. 30, le prochain étant à 40. Deux sacs de ressources d'armes, d'accord. Ok. Je peux améliorer leur hutte via directement ce menu en fait pour savoir si je peux ou non les améliorer. Ok, pourquoi pas. Il m'a parlé de compétences. Ah oui, ça m'en a débloqué vraiment un paquet, véritablement un paquet. Deux gourdins, confine deux gourdins au lieu d'un dans la roue d'armes, vaut pour les armes, vaut pour tous les types de gourdins, d'accord. Avec la fronde, les tirs à la tête transpercent les protections ennemies, d'accord. D'accord, en fait on peut crafter plus d'armes d'un seul coup, c'est ça le principe. Ok. C'est du raccourci pour clic en fait, littéralement. Ok, je vois. Alors j'utilise pas du tout les recettes. Deux piquants au lieu d'un, d'accord. Conditionner deux pièges dans la roue des armes. Conditionner deux couteaux dans la roue au lieu d'un. Donc cette ligne là m'intéresse pas du tout. Les recettes j'utilise pas du tout non plus. Donc ça m'intéresse pas des masses, je dois l'avouer. Les gourdins par contre ça peut être pratique. Mais c'est vraiment du raccourci et c'est limite ces deux trucs là qui sont les plus intéressants. Donc je vais prendre une barre de santé supplémentaire parce qu'on a pu voir que c'était nécessaire. Vous déplacez plus vite quand vous accroupissez, la barre de santé incomplète se régénère bien plus rapidement, ça pourrait m'intéresser aussi. Trouver plus de bois et pierres à chaque récolte. Alors est-ce que... Ça c'est pratique, on a pu voir, là, on a descendu très très vite au bout d'un moment. Il me reste plus qu'un point, d'accord. Ici. Ah! Transporter une quantité normale d'objets, ça transporte 50 ressources et d'armes de nourriture en plus. Ça c'est bon, ça je prends. Ceinture de couteau de lancer, transporter plus de couteaux de lancer, ça me dérange pas. 3 sagaies, je prends. Couteau de pierre. Vous voyez, Sandoros, couteau berserk. Rendre l'ennemi fou furieux. D'accord, ça vient de. C'est des couteaux empoisonnés en fait. C'est pour ça qu'ils ont le petit côté vert. Ok, ça je prends, je suis d'accord. Peau de bête et bois dur. Vous n'avez pas encore appris comment fonctionner les pièges. Placer ces pièges cachés pour surprendre les ennemis et repousser les prédateurs. Ah, ça peut être intéressant aussi. Ok. Ok, ok, compétence. Ça en a toujours un point. D'accord, c'est ici. Ok. Bon. On va bientôt pouvoir améliorer notre sagaie actuelle. Dégâts maximaux quand lancé, d'accord. Dégâts 2, durabilité 3, d'accord, elle est plus durable et agilité 2, d'accord, elle fait plus de dégâts. Dégâts 4, d'accord. Ok. Amélioration, aptitude, tir rapide, d'accord, intéressant. Ça va être pour la cadence de tir. Bon, 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 il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, chers amis, comment dire. Ok. Salut les gamins. Je vais dire salut les jeunes, mais j'ai encore chié dans la colle. Hop, allez, saute. Très bien. Bon. Alors on a des missions un petit peu partout pour le coup là. Cependant, là, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira voir notre fameuse chasseresse. Sur le principe, en fait, je pars du principe que maintenant qu'on a le grappin, on peut y aller. Voilà, tout simplement. On y est allé une fois, on n'avait pas ce qu'il fallait. Maintenant qu'on a ce qu'il faut, on peut se permettre d'y aller. Sauf si... Alors attendez, je regarde quand même. Alors qu'est-ce qu'elle me demande, Takar? Hop, hutte de Saïla, foyer de la cueilleuse, d'accord, d'accord, c'est juste le foyer. Ou alors on va se rechercher un ours brun.
Ça pourrait être une nécessité hein, prochainement, chers amis. Hein. Ce brun. Dis donc, quand je vois où est-ce qu'on est allé, je suis assez surpris. En plus, il y avait des dents de sable dans la région juste à côté, quoi. Génial. Génial, génial. On a vraiment échappé belle, chers amis. Hein. On l'a vraiment échappé belle. Donc, ouais, bah non, c'était. Oui, on n'atteindra pas celle-là. Faudra que je reparte du bûcher là pour l'atteindre. Bon, ok, on verra bien. On verra bien ce qu'on fera dans le prochain épisode. Écoute, eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. N'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, donc encore une fois, à commenter vis-à-vis de la qualité de la vidéo et du son et tout simplement tout ce qui va avec. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager les vidéos. Ce sont d'excellents moyens pour me faire connaître, les amis, et je vous en remercie. Quant à moi, une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop les.